Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, je m'en excuse d'avance à tous les abonnés de la chaîne. J'ai été un peu occupé ces derniers temps, néanmoins j'ai plein de produits à vous faire découvrir. Donc vous risquez d'avoir plusieurs vidéos ces prochains jours, voire ces prochaines semaines, puisque évidemment, comme vous allez le voir, il y a plein de nouveaux produits qui sont arrivés, que ce soit en termes de smartphone, mais également que ce soit des objets connectés, voire même des produits de domotique. Donc le premier produit que je vais vous montrer ici, c'est la fameuse Microsoft Surface 3. Donc c'est la toute dernière tablette de Microsoft. Donc c'est une tablette spéciale, puisque elle se dérive, en fait, elle poursuit, comme son nom l'indique, la Surface 2, mais elle arrive avec un OS complètement débridé cette fois-ci. On va avoir Windows 8.1 directement installé. Elle est également compatible directement avec Windows 10 qui arrivera fin juillet. Donc vous allez pouvoir en fait passer cette tablette au tout dernier OS de Microsoft, et ce très simplement par un processus de mise à jour. Donc sans plus tarder, eh bien, je vais vous présenter cette Surface 3. Donc on va faire un petit tour du propriétaire au niveau packaging et également au niveau tablette. Et puis on ira très rapidement dans les fonctionnalités de la tablette, notamment eh bien, son utilisation avec un stylet qui est commercialisé avec la tablette, et également le fameux clavier type cover qui lui est un accessoire supplémentaire auquel vous devez acheter si vous souhaitez mettre la main dessus. Donc avant de commencer, parlons prix. Cette Surface 3 arrive à un prix de 600 €. Donc ça, c'est le modèle de base, c'est-à-dire quand je parle de modèle de base, ce sont les toutes premières caractéristiques qu'on peut trouver. Donc vous allez notamment retrouver sur ce modèle que j'arrive à, voilà, j'ai mes notes, c'est bon, excusez-moi. Donc vous allez retrouver donc 64 Go de stockage, vous allez retrouver 2 Go de mémoire vive, et enfin vous allez disposer d'une connectivité Wi-Fi. Vous allez pouvoir monter en gamme, vous allez pouvoir passer notamment sur un disque de 128 Go, de 4 Go de RAM, toujours un modèle Wi-Fi. C'est le modèle que j'ai ici, que je vais vous présenter, et vous avez également des modèles avec une connectivité 4G, donc également déclinable en 64 et 128 Go. Et à l'heure actuelle, le modèle de 128 Go en 4G n'est pas commercialisé. Seules les versions Wi-Fi sont vendues. Donc le premier à 599 € et le second à 719 €. Donc comme vous allez le voir, avec ce type de produit, eh bien, vous allez avoir l'expérience d'une tablette à part entière, mais également vous allez pouvoir utiliser cette Surface 3 pour travailler et éditer des documents, que ce soit de manière professionnelle ou plus personnelle chez vous. Donc ici on est sur le packaging, on est sur quelque chose de relativement standard si vous avez déjà vu les anciennes boîtes des Microsoft Surface. Donc on a évidemment le rappel de la marque en façade, on a le gros chiffre 3 pour nous rappeler qu'on est bien sur la version 3, on a également la mention ici, et à l'arrière on retrouve différentes informations sur cette tablette, notamment le fait qu'elle est inclue avec Windows 8.1, on a Office 365 également gratuit pendant un an. On a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. etc. On va voir ça par la suite. Donc pour déballer cette tablette, il suffit ici donc, de tirer le tiroir. Et en fait, on se retrouve nez à nez avec notre tablette que je vais mettre pour le moment de côté, puisqu'on va parler des autres accessoires qui sont également inclus dans cette tablette, dans ce packaging, pardon. Donc ici on a une petite trappe qui dissimule plusieurs accessoires. On a notamment ce premier accessoire avec un port ici USB traditionnel. Vous voyez qu'ici il nous manque quelque chose, et c'est tout simplement l'embout pour se brancher en mode secteur. Donc vous allez pouvoir brancher la prise secteur directement sur cet adaptateur. Et enfin il restera à brancher ici le port USB. Sur cette prise, et de l'autre côté
eh bien, va retrouver une connectique propriétaire, enfin, non, pas propriétaire, pardon, justement, pas propriétaire, en fait, à Microsoft, qui va vous permettre, eh bien, de recharger cette tablette. Si vous voyez, on a tout simplement un port micro USB classique, comme on peut retrouver notamment sur notre smartphone. Vous allez comme ça pouvoir brancher votre tablette sans aucun souci pour la recharger. Donc une fois qu'on a fait le tour de ce packaging, vous voyez, c'est très rapide. On a également un stylet. J'ai oublié de le remettre dans la boîte pour la démo, mais je l'ai quand même sous la main. Donc on a un stylet qui apporte plusieurs fonctionnalités assez intéressantes à la tablette. Évidemment, vous allez pouvoir éditer eh bien, vos documents beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir prendre des notes. Vous allez pouvoir dessiner avec ce stylet. Donc il y a différents boutons ici sur le côté. Qui va vous permettre eh bien, d'accéder à plusieurs options de formatage en fonction des applications évidemment qui prennent en charge eh bien, ce stylet. Et puis on a le bouton gomme ici qui va tout simplement effacer ce que vous êtes en train de dessiner ou ce que vous avez rédigé. Enfin, dernière petite chose, eh bien, on a un livret d'accueil traditionnel où là on va avoir comment préparer notre tablette, comment l'utiliser, justement qui explique un peu le stylet, à quoi il sert, quels sont les boutons. Donc là, on a le bouton supérieur, le voyant de jumelage, le bouton clic droit et le bouton gomme. Voilà, on a un peu toutes ces informations, comment utiliser le stylet en option avec OneNote, etc. etc. Mais ça, on verra dans la démo par la suite. Passons eh bien, évidemment à ce que vous attendez tous, c'est cette partie, cette fameuse tablette, donc cette Surface 3. Que vous avez ici sous les yeux. Donc déjà, la première chose que l'on peut dire, c'est sa taille. Par rapport à la modèle Surface Pro, on a un écran qui est beaucoup plus petit puisqu'on a ici un écran de 10,8 pouces, donc beaucoup plus petit que les 12 pouces du modèle Pro. En ce qui me concerne, c'est un modèle et un format que j'adore en termes de tablette. 12 pouces, pour moi, ça commence à devenir vraiment un ordinateur. Ici, on est plus sur un modèle donc tablette et qui peut s'avérer, comme vous allez le voir une fois qu'on branche le clavier, qui peut faire également office de mini-ordinateur. On a donc un écran de 10,8 pouces qui affiche une résolution de 1920 par 1280. Donc on est sur une résolution Full HD. On est en deçà de la résolution de 2160 par 1440 du modèle Surface Pro 3. Mais l'écran est beaucoup plus petit, donc ça permet dans tous les cas d'avoir une tablette très 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 jolie à avoir. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais l'allumer, les rendus sont vraiment très très chouettes. Concernant ses dimensions, eh bien, on est sur une largeur de 267 mm, sur une hauteur de 187 mm, et enfin il a une épaisseur relativement correct, relativement si je peux, fine pour une tablette, puisqu'on a une épaisseur de 8,7 mm. Concernant son poids, ce n'est pas la tablette les plus légères que j'ai pu avoir en main, notamment eh bien, si on compare avec les modèles de Sony qui sont extrêmement légères. Là, on est sur une tablette qui pèse 622 grammes, donc eh bien, elle fait quand même son poids, malgré le fait qu'on peut l'utiliser en mode tablette. Concernant l'écran, je vais finir par celui-ci, j'ai oublié de vous dire, on est sur un format d'image 3D et on a évidemment une partie tactile de 10 points qui va vous permettre eh bien, d'interagir avec le Windows directement en mode tactile. Vous allez pouvoir comme ça activer les tuiles et du coup naviguer très facilement. Alors, voilà, vous voyez mieux, naviguer très facilement sur l'interface avec cet écran. Concernant la partie stockage, donc on est sur un modèle ici donc de 128 Go et on a également 4 Go de mémoire vive avec cette tablette. Concernant le processeur, on a un processeur Intel Atom, donc les amateurs de chiffres apprécieront. On a le X7 Z8 700, donc c'est un processeur quadricœur qui est cadencé à 1,6 GHz et qui peut aller avec le Intel Burst jusqu'à 2,4 GHz. Donc vous allez pouvoir eh bien, exécuter des applications assez gourmandes, notamment les jeux, etc. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire tourner tout type d'application très gourmande en ressources,
Mais pour les applications communes, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça très simplement. Vous allez également retrouver donc, sur la partie réseau du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. On va avoir également différents ports. Ça, je vais vous le montrer quand on va faire le petit tour de la tablette. Et enfin, en termes de capteurs, eh bien, vous allez avoir un capteur de lumière ambiante, de proximité, un accéléromètre, un gyroscope et un magnénomètre. En gros, ce sont des capteurs traditionnels que l'on retrouve dans les tablettes. Concernant son autonomie, Microsoft indique que l'on a à peu près 10 heures d'autonomie avec la tablette. En ce qui me concerne, avec une utilisation peu poussée, une utilisation classique, effectivement, on peut tenir facilement la journée avec la tablette. Dès lors que vous allez vouloir, surtout lancer des applications gourmandes en ressources, donc là, vous allez notamment, je pense, si vous voulez faire un petit peu de montage vidéo ou quoi que ce soit, l'utilisation de la tablette va, enfin l'autonomie va chuter et vous allez passer en deçà des 10 heures assez vite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les caractéristiques? Je pense avoir fait le tour. Maintenant, on va évidemment voir un peu cette tablette de plus près. Donc ici, on est donc sur la façade avant. Vous avez ici le bouton Windows qui va vous ramener sur l'interface que vous avez désormais l'habitude, donc ces fameuses tuiles. Donc vous allez pouvoir ainsi switcher très simplement entre vos applications et revenir à l'écran d'accueil. On a également ici, donc vous le voyez en haut, une caméra. Donc c'est une caméra frontale, donc de 3,5 mégapixels, suffisante pour tout ce qui est conversation vidéo, quand on pense à Skype, le Hangout, etc. Vous allez également avoir ici un micro à ses côtés, donc qui va vous permettre de capter le son de votre voix. Vous allez également retrouver donc sur les côtés, que ce soit ici et de l'autre côté ici, des haut-parleurs, une grille de haut-parleurs. Donc on est sur des haut-parleurs stéréo avec un son Dolby. Donc le son est plutôt correct sur cette tablette. Sur le côté ici, on va retrouver donc un premier port, c'est le fameux port jack 3.5. Ici, on a une espèce de brèche, un petit trou, c'est tout simplement ce qui va nous permettre d'ouvrir ou non la béquille. On verra ça juste après. Enfin ici, on a donc le port micro USB, donc qui va permettre de connecter ou de recharger votre tablette. Vous avez ici un port USB, un vrai port USB, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher notamment un disque dur, une clé USB directement sur cette tablette. C'est ce qui fait la différence avec d'autres tablettes, notamment Android, etc. Où là, vous avez vraiment un port USB complet qui est pris en charge par l'OS et qui permet donc d'accéder à un disque dur, notamment externe, ou d'un clavier ou autre chose que vous voulez brancher en USB. Donc c'est un port USB 3.0. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite ici, on a un port mini DisplayPort. Donc vous allez pouvoir étendre l'affichage de votre tablette sur un écran ou sur votre téléviseur à l'aide de ce port. Donc ça va vous permettre comme ça de travailler sur votre tablette tout en bénéficiant d'un écran secondaire. Donc ça, c'est très pratique et très utile dans le monde professionnel. Et on voit que Microsoft a une certaine expérience dans ce domaine. Sur la façade, sur la tranche du dessus, on va retrouver deux boutons. On va retrouver le bouton de volume ici et à ses côtés le bouton on-off, donc d'alimentation de notre tablette. Sur sur la tranche de gauche, on n'a aucun bouton, aucun port, rien de disponible. Seule la petite trappe encore qui nous permet d'activer ou non la sortie de la béquille, comme ceci. Et enfin, sur le dessous, on a juste, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. On a juste le connecteur ici propriétaire Microsoft et qui va vous permettre notamment de brancher le clavier très simplement. Et ça, on le verra également juste après. Concernant la béquille, c'est très simple. Comme vous avez vu, j'ai juste à glisser mon ongle ici, je l'ouvre et automatiquement je déplie la béquille et ma tablette se met en mode ordinateur, si on peut dire ça, puisque vous allez pouvoir la faire tenir debout très simplement. Il faut savoir que le pied est réglable en trois positions, donc ce premier-ci, comme ceci, un peu plus incliné. Et enfin, on est vraiment incliné ici, de ce côté-ci, très agréable notamment pour regarder les films
ou autre ou s'en servir un peu comme galerie photo, etc. Vous allez pouvoir comme ça régler en fonction de vos usages le pied de la tablette. Ce pied est différent de la Surface Pro, puisque la Surface Pro, eh bien, on a un pied multiposition qui va encore plus loin, mais là on a trois positions. Sur l'arrière de la tablette, on va retrouver donc le logo ici incrusté, le célèbre logo Windows. Et enfin à l'arrière ici, on va retrouver une caméra. Donc c'est une caméra de 8 mégapixels il me semble, je regarde juste pour être sûr, oui, de 8 mégapixels avec autofocus. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus joli que ce que l'on a en façade. Et du coup vous allez pouvoir prendre des photos si vous le souhaitez avec votre tablette, même si je dois dire que je ne suis pas grand amateur de photos avec une tablette. Néanmoins ça peut être utile si vous avez besoin de filmer ou de capturer rapidement quelque chose. Donc concernant le connecteur, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Microsoft commercialise également un clavier. Donc ici on a le type cover, donc c'est une sorte de clavier qui est commercialisé par Microsoft, que vous voyez ici. Donc ici on a un modèle bleu, il faut savoir qu'on a différents coloris, il y a également un modèle rouge. Et on doit avoir également une autre type de couleur. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a, mais vous allez retrouver différents coloris. En tout cas, le rouge, le bleu et le noir, il me semble que ce sont les trois coloris qui sont disponibles. En tout cas, ce clavier, eh bien, comme vous voyez ici, on a des vraies touches, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir la sensation d'un véritable clavier. Vous allez même retrouver ici un touchpad en plein milieu. Vous allez ici avoir une espèce de texture un peu en mode feutrine. Donc certaines personnes vont apprécier, d'autres moins. Il faut savoir que c'est très salissant. Ça va vite se salir, notamment si vous avez généralement les mains pas très propres ou quoi que ce soit. Ça peut être vite salissant. Néanmoins, ça peut être très utile d'avoir ce type de clavier, notamment eh bien, en clipsant. Vous voyez, vous allez entendre le clic comme à la pub. Hop. Et aussitôt, eh bien, mon clavier est associé à ma Surface. En plus, ça permet de protéger l'écran lorsque vous appliquez celui-ci. Ça vous permet de déverrouiller, enfin de verrouiller et de déverrouiller très simplement en ouvrant ou non ce clavier. Et vous allez pouvoir le faire tenir. Vous voyez, alors voilà, c'est très solide. Donc, vous voyez ici, je le tiens par le clavier, je secoue un petit peu et ça tombe pas du tout. C'est vraiment très très solide. Et en plus, ce clavier, cette nouvelle génération de clavier a la particularité d'être aimanté. Et du coup, il va s'aimanter, vous voyez, sur l'écran. Vous allez le voir ici. Hop, vous voyez, il s'est directement incrusté. Et du coup, une fois que je pose ma Surface sur mon bureau, eh bien, l'écran, il est un peu surélevé. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique d'utilisation, notamment eh bien, lorsque vous venez d'un monde professionnel et vous utilisez un ordinateur portable. C'est beaucoup plus pratique que d'écrire à plat comme ceci. Sachez que vous pouvez le faire, hein, il suffit de le baisser. Mais personnellement, je préfère avoir un petit angle. On travaille beaucoup plus efficacement. Donc une fois que eh bien, ce clavier est branché, eh bien, vous allez pouvoir accéder notamment eh bien, je sais pas moi, à toutes les opérations de bureautique. Donc là, hop, on va utiliser OneNote. Donc OneNote qui va également être utilisable évidemment par le stylet comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous allez également pouvoir prendre des notes très simplement avec votre tablette. Si OneNote veut bien se lancer, normalement je l'avais connecté sur le réseau, elle est heureuse. Sinon je vais prendre n'importe quelle application de bloc-notes, très simplement. Qu'est-ce que j'ai bloc-notes? Donc vous voyez, vous allez pouvoir directement taper sur le clavier et vous allez pouvoir prendre des notes. Alors hop, si je peux dézoomer. Je vais essayer de remettre, tac, comme ceci. Voilà. Donc là, eh bien, vous allez pouvoir prendre des notes très simplement avec le clavier. Vous voyez, il est très réactif. Aussitôt que la touche est évidemment tapée, elle apparaît sur l'écran. Vous allez également avoir des raccourcis clavier pour notamment eh bien, démarrer automatiquement l'audio, diminuer ou non la luminosité en fait, de votre tablette. Vous allez pouvoir prendre des captures d'écran, aller à la page suivante, précédente, etc. etc. Vous allez en gros bénéficier d'un véritable ordinateur sur, eh bien, sur hop. Okay.
Donc là, eh bien, je peux prendre des notes, vous voyez, avec directement mon clavier, mais je peux également prendre des notes directement avec mon stylet. Hop. Donc là, il nous demande de configurer. Donc je dessine, je sélectionne et j'efface. OK. OK. Donc là, je vais pouvoir dessiner. Donc avec mes grands talents de dessinateur, eh bien, vous allez reconnaître que c'est un bonhomme. Vous voyez, donc le dessin est très facile. Je peux effacer aussitôt, je peux effacer aussitôt ce que j'ai noté. Donc j'appuie sur le premier bouton ici et aussitôt, eh bien, je vais pouvoir effacer mes traits. Vous voyez, très simplement, si j'ai envie de prendre des notes, des graphiques, etc. Si j'ai envie de faire des pourcentages, vous voyez, on va beaucoup plus vite. Vous pouvez passer à la page suivante très simplement, efficacement. Vous voyez, vous allez avoir comme ça, en gros, eh bien, différentes fonctionnalités qui sont offertes, par ce stylet et également par l'interface de OneNote qui a été prévue pour bien fonctionner justement avec ce dernier. Vous allez profiter également pleinement de Windows 8.1 et bientôt de Windows 10. Ça veut dire que vous allez pouvoir installer tout type d'applications. Personnellement, eh bien, par exemple, j'ai installé directement sur la tablette, j'ai directement installé Chrome. Donc c'est pas la version Chrome Windows 8, enfin Modern UI comme on l'appelle. C'est vraiment la version desktop de Chrome. Et du coup, vous allez pouvoir eh bien, lancer directement le navigateur et également tout type d'application. Très simplement en installant ce que vous voulez sur cette tablette, sous réserve d'avoir de la place évidemment. Vous allez également avoir accès au Windows Store. Donc le Windows Store, maintenant vous en avez l'habitude si vous utilisez Windows 8, c'est tout simplement la boutique d'applications de Microsoft. Donc là également vous allez retrouver tout type d'applications, que ce soit des jeux, que ce soit des applications professionnelles, des applications ludiques, etc. Qui sont optimisées soit pour l'interface de bureau, ou également qui a été repensé pour eh bien, fonctionner avec l'interface Modern UI, ce qu'on appelle un peu les nouvelles applications modernes de chez Microsoft. On peut notamment penser au calendrier, où là vous allez retrouver une application purement, eh bien, purement Windows. Vous voyez, vous avez toute l'application, enfin vous avez toute l'application qui prend entièrement l'écran, qui a été complètement repensée en fait sur. Eh bien, sur cette interface, on a également l'application photo. Ici, on a une démo logiquement de la surface, où là, vous allez retrouver un peu toutes les caractéristiques donc, de la surface. Donc, si, voilà. Donc là, on a l'utilisation du stylet. On a également le bouton Windows, à quoi il sert, la partie audio. Vous allez retrouver différentes documentations utilisateurs, les commentaires, et on a également les informations sur le type de surface. Donc vous allez pouvoir installer toutes les applications que vous voulez, vous allez pouvoir bouger les tuiles comme bon vous semble, vous voyez, c'est très simple. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de Windows 8.1, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais en tout cas, vous allez retrouver un OS pleinement fonctionnel. Vous allez également bénéficier, comme j'ai dit tout à l'heure, de Microsoft Office. Donc c'est la version, vous allez avoir une version d'un an en fait disponible, personnelle, et qui va vous permettre eh bien, de profiter de Word, Excel et PowerPoint très simplement. Donc là, il me demande de l'activer et évidemment, elle est limitée dans le temps. Mais vous allez pouvoir bénéficier pendant un an en fait donc, de cette offre. Et enfin, eh bien, vous allez pouvoir jouer. Voilà, ici, le Flappy Bird. Donc, si je passe en mode tablette comme ceci, voilà, donc j'enlève le clavier, ce qui ne me sert strictement à rien. Et donc, vous allez pouvoir, en gros, eh bien, jouer, par exemple, ici, à Flappy Bird sur votre tablette. Alors, il y a des jeux beaucoup plus évolués graphiquement, mais néanmoins, eh bien, ça permet de se détendre et d'utiliser un peu votre ordinateur en mode tablette. Donc voilà, donc là je suis pas très très fort à Flappy Bird, c'est pas le but non plus de la vidéo de passer du temps sur ce jeu. Voilà, j'ai fini un peu pour le tour d'horizon de cette tablette. Donc j'ai essayé d'être assez bref, de vous montrer les grandes lignes de celle-ci.
Évidemment, il y a plein de choses à vous dire sur la tablette. J'y reviendrai dans l'article écrit. Je sais que j'ai un peu de retard sur mes thèses, j'en suis désolé. Mais j'essaie de faire au plus vite pour vous présenter tout ça. Je vais peut-être diminuer un peu les articles de fond, d'actualité, pour me concentrer bien sur tous mes tests que j'ai en retard pour vous présenter tout ça, parce qu'il y a plein de produits qui sont très intéressants et que je dois absolument vous présenter. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous avez également des remarques ou autre chose à formuler, n'hésitez pas, que ce soit sur la vidéo, mais également sur l'article. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et retrouvez-nous sur la chaîne du Blog NT. Au revoir.